Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation d'un travail réalisé sur un Ford Transit. Donc, covering complet avec impression numérique. Donc, le fichier de création a été réalisé par une agence de communication de Nancy qui s'appelle Comme en Pixel et qui m'a donc fourni un projet. Donc, voilà. Et j'ai dû donc réaliser ce projet. La technique a consisté à imprimer tout ce qui était image, donc tout le fond, afin de faire le covering, mais de découper tout ce qui était lettre. Donc quand je dis lettre, voilà. Ça m'a permis de d'abord faire le covering sur le véhicule, puisque les coverings avec impression numérique ont des contraintes d'alignement que n'ont pas les coverings unis. Par exemple, voilà, j'ai un visuel complet ici. Ça peut se déformer quand je vais chauffer pour faire l'embouti. Si j'ai une image, ça passe. Si j'ai du texte, forcément, il va être déformé. Donc pour cette raison-là, et puis aussi des raisons d'alignement d'ensemble, c'était plus simple de procéder de cette manière-là. Ensuite, l'être découpé également sur la carrosserie. Démontage des poignées. Pour lier les deux parties, je me suis calé sur l'arête du véhicule, un peu comme feraient des carrossiers pour aligner des peintures. La difficulté aussi était de lier l'arrière au côté avec le dégradé. Mais je m'en suis bien sorti puisqu'en fait, j'ai fait le raccord vraiment sur le champ du bouclier. Et la vue d'ensemble est plutôt réussie au niveau de la transition arrière-latérale. Pareil, l'être découpé en superposition sur l'impression numérique. Une transition entre l'avant, entre l'arrière et le côté. Et comme sur ce latéral, il n'y avait pas de porte coulissante, les laits ont été faits un peu comme de la tapisserie, c'est-à-dire que le raccord est dans la hauteur cette fois-ci. Donc je démonte les protections afin de passer dessous pour éviter de faire des découpes sur la carrosserie. On a fait le tour du projet, en souhaitant que ça vous ait plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Bye!